Cher SNE, je t'écris cette lettre pour te dire combien ton comportement nuit à ma vie. Je te sais infidèle, mais pas à ce point. Ces derniers temps, tu es présente que 2 ou 3 jours par semaine à la maison, et des fois pas du tout. La preuve, hier je suis resté toute la nuit à t'attendre. C'est à 5h du matin que tu es rentré. On ne fait pas comme ça. Je suis obligé de t'écrire. Tu es tellement invisible. Tu me fais souffrir. Je pensais qu'en prenant le nom de Église évangélique du Congo, EEC, tu allais changer. Au fond, non. Je ne dors pas la nuit et ça se ressent sur mon travail et mon humeur. Au départ, tout était clair. Tu apportais la lumière dans ma vie. Et en échange, je partageais mon salaire avec toi. Aujourd'hui, tu oses dire que si je ne respectais pas notre accord, tes frères viendraient chercher tes affaires. J'ai tout fait pour te satisfaire, mais toi non. À vrai dire, je suis fatigué. Dans quelques jours, ma série préférée va commencer à la télé. Promets-moi de te rendre disponible et d'être fidèle afin que je retrouve la joie et la gaieté d'être à la maison. Je sais qu'on ne force pas l'amour. Alors, si tu ne veux plus vraiment de moi, viens chercher tes affaires, compteur, disjoncteur, câble, etc. Merci d'informer ta copine SNDE qui s'est tapé le luxe de s'appeler, elle aussi, la Congolaise des eaux.